super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Coucou les loulous. Bah coucou Océane. Coucou. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Oui. 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 Ouais. Les petits copains, on espère que ça va aussi bien qu'Océane et moi-même parce que je vais aussi super super bien. C'est le week-end, on va cuisiner ensemble. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'ailleurs aujourd'hui comme recette? Je me rappelle plus comment ça s'appelle, la pizza. Elle se rappelle plus comment ça s'appelle. Alors là, on a un problème du stone là. Ça s'appelle, alors, c'est une recette spéciale pour l'Alsace. Ah! Parce que ça s'appelle une flamencuche. Flamencura ou tarte flambée. Voilà, tout simplement. Et en français, c'est comment? Mais tarte flambée. Qu'est-ce que ça donne en français? Voyons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tarte flambée? Ça ressemble à quoi en fait? À une pizza. Alors, ça ressemble un peu à une pizza, sauf qu'il n'y a pas de levure à l'intérieur. C'est une pâte totalement différente de la pizza. Et on mange ça où? Hein? En Alsace. Alsace. Oui, en Alsace. D'ailleurs, la mamie d'Océane est alsacienne. Oui. Comme Stéphanie qui est alsacienne aussi d'ailleurs. Et j'avais cru que c'était... J'avais cru qu'en fait c'était de japonais. N'importe quoi. Au Japon, on mange pas des tartes flambées. N'importe quoi. On mange pas des tartes japonais. Stéphanie est alsacienne et c'est elle qui nous a demandé de faire cette recette. Donc voilà, Stéphanie, on va te faire la recette pour toi, mais aussi pour tous les autres. Alors, est-ce que tu vas nous donner la liste des ingrédients de cette super recette? De la farine. Là, on ne te voit plus. De la farine, ok. Ensuite. La graine fraîche. Hmm? Des lardons. Des oignons. De l'eau. De l'eau d'arène de la sœur française. Ça c'est quoi déjà? Du sel. Oui, bravo. Ça c'est quoi déjà? De l'huile. Je l'ai pas pris. Parce qu'après il y en a beaucoup. Hein. C'est de l'huile, oui. Et ça c'est quoi? C'est de la muscade, de la noix de muscade. Alors, il en faut vraiment très très la peu. Muscade. Et là il y a du fromage frit. Ça dit de la crème fraîche tout à l'heure. C'est du fromage blanc, oui. Du poivre. Mmh. Et du côté des ustensiles. Ah, t'as oublié quelque chose. Les oignons peut-être, non? Tu l'as dit? Oui, j'ai dit. Ah, pardon. Oh là là. Et du côté des ustensiles, il nous faut un rouleau, une cuillère et ça c'est quoi? Un papier. Ça, c'est du papier cuisson. Voilà. Papier cuisson. Alors, est-ce qu'on la commence cette recette? Ben oui, hein, parce que... Bah, parce qu'on a faim. Oui. Ah, on a faim. Et une cuillère, vous avez pas dit? Ah, et une cuillère, très important, une cuillère. Alors, si vous en avez pas, prenez les doigts. Pour la crème fraîche. Non, mais déjà, gourmande. On n'a même pas commencé la recette que ça n'est déjà en train de lécher la cuillère. Mais dis donc, tu es une grosse gourmande. Bon, allez, on passe à la recette. Pour commencer, on va faire la pâte. Alors, du sel. Tu mets le sel dedans. Tu mets le sel dans quoi? Dans la farine. Ah, dans la farine. Et on met pas le pouce cette fois. J'avais mis le pot de l'huile. Eh oui. Donc, dans le beurre de cacahuète. Tout à fait. Dans la vidéo, cliquez sur le petit là à droite. Bravo. Océane, t'as une professionnelle, dis donc. Alors, qu'est-ce que tu mets là-dedans, donc l'huile? L'huile. Moi, j'ai fait. Après, je vais mettre l'eau. Alors, ça, on y va délicatement. Délicatement. Ouais, délicatement, oui. Voilà. Ça s'appelle délicatement, ça, chez Océane. Délicatement, chez Océane, ça veut dire en mettre aussi à côté. Voilà. C'était trop chaud. C'était trop chaud. Oui, bah, c'est de l'eau tiède, ma chérie. Bah, maintenant, tu vas faire quoi alors? Je vais pétrir avec ma main. Oh, bah, vas-y. Tu veux que je t'aide? Ok. Les amis, coucou, je suis là. Océane m'a appelé à l'aide, donc je vais l'aider. Et d'ailleurs, j'ai un super tablier qui vient d'Alsace, voilà, pour la recette. Donc,
est-ce que tu veux que j'y mette les mains moi aussi? Moi, j'ai pas trop envie de mettre les mains là-dedans. Si, tu crois que je mets les mains là-dedans? Oui. Regardez, ça colle. Ah, ça colle. Bah, vas-y. Déjà, tu te débrouilles très, très bien comme ça, tu vois. Waouh. Moi, je te laisse faire, hein, comme une chef. Tu peux y mettre les deux mains si tu veux dedans. Voilà. On y va avec les mains. Il faut bien, bien pétrir la pâte. Hein. Bien, 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 bien. Ouais. Comme une pâte à pizza, en fait. Ouais. Là. Sauf que c'est pas une pizza, les amis. Pas du tout. Hein. Ne dites pas en Alsace que la flammenküche est une pizza, parce que là, vous allez vous faire disputer, ça, c'est sûr. Hein. Alors, vas-y, ça hop, pétri, pétri. Allez, hop, avec les mains. Comme ça. Et ça, y a bien, après ça s'enlève, t'as vu? Ah ouais, ça s'enlève, t'as vu? La pâte, regardez à quoi ressemble, on va montrer au petit copain à quoi ressemble cette pâte. Voilà, elle colle plus aux mains, on n'a pas triché, on n'a pas rajouté de farine, on a tout pétri à la main. Donc, et regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de farine sur le plan de travail bien propre, qu'on a nettoyé bien sûr. Il veut pas. Non. Donc, on va mettre un petit peu de farine pour. Qu'est-ce qu'on va faire avec la pâte? On va étaler et on va essayer de l'étaler mais en rectangle parce que les flammenküche elles sont pas rondes, elles sont rectangles en Alsace, d'accord? Oui. Allez, on y va, je t'aide. Ça c'est un peu dur pour Océane d'étaler régulièrement, hein. Même pour maman des fois c'est difficile, hein. Oups là. Mais tu rigoles, mais c'est pas difficile pour moi parce que j'ai déjà un rouleau à jouer. Ouais, t'as un rouleau à jouer, oui, tout à fait. Elle le fait bien. Ouais. Alors, il faut l'étaler super, super fine, les amis, parce qu'une flammenküche, c'est vraiment très, très fin. D'accord? Tu essayes de faire le plus fin possible? Oui. Ouais, allez. Notre pâte, elle est allée très, 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 très fine. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la couper en deux. Bah, ça va faire deux flammenküche. Et on va les mettre sur des... Hop! On va les mettre sur des... sur du papier de cuisson. On va couper au milieu. On va couper au milieu, oui. Attention. On va essayer d'y aller droit. Enfin, essayer d'y aller droit. Hop! Et là, on va prendre une feuille. Hop là. Et là, ça va être l'opération délicate. Attention. Parce que c'est extra, extra fin. Attention, louloute. Hop. Et voilà, les amis. Donc, on est arrivé à mettre les pâtes sur des papiers de cuisson. Non, sans mal, hein, parce qu'elles sont très, très fines. Ouais, mais on y est arrivé. Alors, maintenant, on va mettre ça de côté. Hop là, et on va faire quoi? Les ingrédients. Les ingrédients, la base. Comment on fait? La base, ben voilà, Océane va vous montrer comment on fait. Comment et on fait? Puis, et puis, ben, on vous retrouve avec la suite de la. Je vais mettre le fromage blanc dans la crème fraîche. Et tout dans le four. On met tout donc. Ok. On met la muscade. Le poivre. Vas-y. Voilà, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je mélange. Et on remue. Oh. C'est un peu dur. Alors ça y est, t'as fini de faire ta tambouille là. Voilà ce que ça donne, les amis. Donc c'est un mélange crème fraîche fromage blanc. Ouais, ben un peu, on va dire qu'on l'a un peu accommodé. Donc,
assaisonner. Voilà, c'est le mot. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ça? On va le mettre dessus. C'est ça? Et puis on va respecter un petit rebord comme la pizza. Ah, vas-y, ben mets. On va peut-être mettre sur le milieu pour commencer. Mais un peu plus, c'est mieux, regarde. Ouais. Vas-y, étale. Alors, je suis venue voir Océane parce qu'elle m'a appelée à la rescousse. Elle avait un peu du mal. Moi, je vais mettre les lardons et les oignons. Alors, vas-y, on te regarde faire. On met partout. Des bons lardons. Bon, après, si vous ne mangez pas de lardons, vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez. Hein. Mettre ouais. des poireaux, mettre du poulet, plein d'autres choses. Mais c'est vrai que la vraie tarte flambée, elle se fait aux lardons et aux oignons. Alors là, tu es en train de mettre les oignons, c'est ça? Oui. Ouais. C'est trop bon. On étale, on essaye d'étaler un peu partout. Pas qu'il y en ait tout au même endroit, parce que sinon, ça risque d'être vraiment fort un oignon. Hein. Voilà. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va mettre sur l'autre. Oh, on va faire l'autre aussi. Et puis après, on va mettre au four. Hein? Oui. Ouais. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Bah, Océane est partie où? Bon, bah, moi, je vais aller manger la pizza sans elle. Elle était là, zut! Alors ça y est, c'est terminé? C'est cuit? Oui! Alors on a mis ça au four, dans un four préchauffé. Alors il était chauffé à 300 degrés, donc c'est au maximum. Et on l'a mis pendant 8 minutes. Alors attendez, Océane veut vous montrer. Voilà. Il y en a deux, celle-là, il y a plus lardons et celle-là, elle n'a pas beaucoup de lardons. Regardez. Elle n'a pas beaucoup de lardons. Alors est-ce qu'on les goûte, ces pizzas? Ben oui. Oui, alors on va couper, alors attention. On va couper comme ça. Pas des pizzas, des flamènes, cul, genre n'importe quoi, maman. Alors on va couper, laquelle tu veux goûter? Laquelle tu veux goûter? De toute manière, ce sont les mêmes choses dessus. Alors on y va, on coupe. Mais non, parce que là il y a plus de lardons, là il y en a un petit peu. Alors on coupe ça. Ah maman. Ouais, ça se coupe super bien. Hein. En fait. On entend le chien derrière qui demande, qui est un peu faim, ouais. Qui fait. Ah, vas-y. Honneur à toi. Non, ça va, c'est pas chaud. Attention. Est-ce que c'est bon? Bon, grave. Bon, grave. Non, c'est pas grave, le chien il mange pas, il va profiter aussi de la flamène cuche. Je crois qu'il est déjà parti de lardon, non? Ouais. Ah, est-ce que c'est bon? Moi je goûte. Comme ça. Ouais. Comme ça. Tu vas tout manger? Oui. Ah, bon, bah tant pis pour moi alors. Oh, bon. Alors voilà les amis, bah, Océane est en train de manger. Donc on va passer à table. Le chien aussi, la fin, vous avez dû l'entendre. Donc ben, en attendant ben, la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Océane a dit de se taire au chien. Puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine fois, on vous fait des gros bisous. Ciao ciao les amis et bon appétit. Bon appétit. Et surtout, chantez pas à table. Chantez pas à table. Ouais. N'importe quoi. Mais c'est vrai en plus. Bisous les amis, ciao ciao.